Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un unboxing Diamond Painting. Et oui, ça faisait longtemps. Alors c'est quand même un unboxing spécial car c'est un unboxing partenariat. Voilà, c'est une nouvelle société qui m'a contactée. Alors en général, quand les partenariats maintenant DP me contactaient, j'ai évité de répondre ou quoi que ce soit parce que vous le savez, je voulais vraiment arrêter beaucoup de partenariats. J'avais juste gardé Crafties, mais j'avais envie de vous dire qu'en ce moment, voilà, j'avais envie d'y retourner un petit peu. Donc cette société-là, je la connaissais pas du tout. Je sais que j'en ai d'autres qui m'ont contacté, donc vous allez peut-être avoir d'autres choses. Voilà, donc parlons de ce colis. Donc ça vient de la boutique cara.art. Voilà, donc j'en ai un petit peu entendu parler parce que j'ai ma copine Lucie qui était déjà en partenariat avec eux. Et du coup, quand ils m'ont contactée, je me suis un peu tâtée parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo ou si vous allez bientôt la voir, ma réponse au tag Diamond Painting. J'ai quand même beaucoup de stock à la maison. Et du coup, voilà, je voulais rien commander parce que j'avais dit j'arrête quand même les partenariats, j'ai beaucoup de stock. Et en même temps, j'ai pas résisté à aller faire le tour de leur site. Déjà, il faut savoir que cara.art a des toiles d'artistes rémunérées. Voilà. Et en plus, quand je suis allée donc sur leur site, je me suis rendu compte que c'était pas des artistes qu'on pouvait voir partout, comme Mandy Manzano, comme Annaline ou comme Sybille Art, des artistes qu'on a vus sur pas mal de sites de Diamond Painting. Là, c'était vraiment des artistes que je ne connaissais pas et certains, ils ont des œuvres magnifiques. Voilà, donc j'ai un peu flâné sur le site. Ils m'ont proposé de choisir une toile. Et j'ai eu un coup de cœur pour une toile, donc du coup, voilà, j'ai accepté ce partenariat. En plus, je sais que à vous, ça vous manque, le Diamond Painting, les unboxings de Diamond Painting. Donc, vous allez voir, je vous ferai certainement une vidéo dans pas très longtemps où je vais vous parler un petit peu de changements sur la chaîne. Et oui, je ne suis pas bipolaire, mais mon cerveau tourne à 1000 à l'heure et du coup, j'ai souvent envie de changements. Bref, on verra ça plus tard. Pour le moment, on va ouvrir ce carton. Je l'ai reçu hier. Je le ziote parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier et du coup, j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. Donc, pour info, je vais pas vous donner les dates précises parce que je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais en se basant sur une semaine, j'ai été contactée par cara.art lundi. J'ai réfléchi, j'ai regardé, finalement j'ai commandé sur leur site mardi et j'ai reçu ce colis jeudi. Donc déjà niveau expédition, ils sont au top. Je suis désolée, je vais éviter de vous montrer trop mes mains parce que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai été obligée de retirer mes ongles en gel et j'ai les ongles moches de chez moche. J'en ai aucun qui a la même longueur. J'ai pas de vernis parce que je les laisse respirer et reprendre du poil de la bête. Donc voilà, si je peux éviter de vous montrer mes mains, je vais essayer. Ne vous fixez pas dessus parce que c'est horrible. Mais voilà, bref, pour le moment, franchement, ils sont vraiment très réactifs. Ils m'ont validé ma commande rapidement, ils m'ont expédié rapidement. Et il faut savoir que cette société-là est une société allemande. Donc, c'est basé en Allemagne. Et ils expédient tous leurs colis par DHL. Donc, j'ai été assez surprise le jeudi matin quand j'ai reçu un SMS en me disant « Voici votre code pour votre Colissimo ». Je me suis dit, j'ai rien commandé qui doit arriver en Colissimo. J'ai 2-3 babioles sur Ali qui doivent arriver, mais voilà, rien en Colissimo. Et c'était bien ça. Donc en fait, la prise en charge de l'Allemagne part avec DHL et elle arrive chez nous par la poste. Mais 2 jours, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait halluciner. Ils sont pour l'instant top. Bon, allez, trêve de blabla, on va ouvrir. En plus, vous avez vu le packaging. C'est arrivé dans un grand carton comme ça. Donc vous ne voyez pas tout le carton. Il est vraiment très grand. Ça aussi, bonne surprise parce qu'il n'y a qu'une seule toile dedans, donc je pense qu'elle va être bien protégée, quoi. Alors après, j'ai pas regardé d'unboxing de cette marque là justement pour avoir la surprise. Et voilà, je connais pas du tout, c'est vraiment j'en ai entendu parler mais j'ai pas été voir de vidéo dessus. Je voulais vraiment juger de A à Z, mais pour le moment, le peu de choses que j'ai pu voir, j'adore. Alors on va voir. Qu'est-ce que ça donne?
Ah oui, il y a du scotch. Ah oui, vous voyez, il y avait une cale à l'intérieur. Regardez-moi ça. Ça, c'est un carton. Alors, ok, pour l'environnement, c'est pas top. Mais au moins, nos produits arrivent en bon état. Je vais vous montrer l'intérieur si j'arrive. Voilà. Hop, regardez. On a des cales de partout. Donc là, quand je vais lever, ça va venir avec. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Quand on le met comme ça, eh bien, ça fait vraiment... ça fait une cale, quoi. Il y a une cale là, il y a une cale là. C'est encore dans une boîte à l'intérieur. Je peux vous dire que la boîte, elle n'a pas bougé d'un iota. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a la petite facture. Donc, vous voyez, order. OK. Ça, je vais le garder parce qu'il y a le nom de l'artiste dessus et je ne m'en rappelais pas. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, on a une belle boîte rose et blanche. Voilà la fameuse marque, cara.art. Alors, let the pleasure begin, bien sûr. Piece by piece, just you and your masterpiece. OK, donc là, on a le site de cara.art. Voilà, donc c'est tout simple, www. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Ensuite, là, on a la description en anglais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le site internet, il est soit en anglais, soit en allemand. Donc, moi, personnellement, en anglais, ça m'a pas posé de soucis. Mais je sais que ça peut gêner des personnes. Comme là, vous voyez, bon, les instructions, maintenant, on sait tous comment faire du DP. Mais c'est soit en anglais, soit en allemand. Pour le site internet, je peux vous donner une petite solution si vous ne connaissez pas. Sur Google, vous pouvez demander à ce qu'ils vous traduisent la page en français. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de boulettes. Ensuite, donc, là, on a... les éléments du kit. Donc dedans on a un canevas. Je vais essayer de vous traduire, hein, mais je suis pas non plus, je suis pas bilingue. Hein. on a un canevas imprimé en haute définition. State of the art diamond drills. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je pense que c'est des super bons diamants. Pick and drop accessory for drills. Donc on a des accessoires pour les diamants. Alors là on voit un stylet. Est-ce qu'on va avoir une petite pince? Je ne sais pas. On a un tray, forcément, une coupelle. Et on a de la cire, donc wax pad. Alors, en plus, donc, on a un film plastique autour de la boîte. Donc, vous voyez, la boîte, elle a aucun pet, quoi. Elle était hyper bien sécurisée dans le carton. Là, c'est pareil, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Ah, je n'avais pas vu, il y a ma toile que j'ai choisie. Donc là, hop, voilà. En haut, on a une petite étiquette. Donc, vous voyez vite fait la toile que j'ai choisie. C'est marqué ABS, donc parce que, surprise, il va y avoir des AB dans cette toile. Et le format, donc, le format, c'est une 50 par 70. Alors, voilà comment ça se présente dans le carton. On va tout sortir. Je suis désolée si je vous fais bouger. Je me suis mis dans ma cuisine parce que je galère à vous filmer des toiles dans ma pièce. Et je pense que là, avec ma grande table, ça va être plus pratique. On verra bien. Voilà, donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc là, c'est la toile. Alors déjà, dentelée. Voilà, vous voyez, très jolie. Alors, au niveau de la matière, c'est pas du tout doux comme on connaît. Je vais pas citer les marques parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais comme on peut connaître certaines toiles. C'est vraiment, on sent que c'est tissé, c'est bien épais, c'est un petit peu plastifié, mais sans être dur. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Alors, avant de dérouler la toile, waouh, je la vois, elle est trop belle. Je la mets sur le côté, on va regarder ce qu'on a un petit peu dans le kit. Alors, donc, on a une feuille de suivi. Ah ouais, on a du AB. Donc, Canvas Légende. Donc, cette toile que j'ai choisie, c'est une toile, c'est bien, ils remettent le nom de l'artiste ici. C'est une toile qui a été faite par Fabiana Atanasio. Voilà.
Et c'est une toile 50 par 70. Et donc là, on a toute la charte des couleurs. Alors, je ne sais pas combien j'ai de couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40, 60, 62. Voilà, j'ai 62 couleurs. Donc, voilà ce que ça donne, la feuille. C'est très bien. On a les informations qu'on a besoin. On a toute notre charte. On a la taille de la toile. On a le nom de l'artiste. On a la petite photo de notre toile. Enfin, voilà, c'est très, très bien. Très, 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 très bien. Ensuite, le toolkit. Alors, voyons voir ce que ça donne. Il m'a l'air d'avoir des trucs sympas là-dedans. Alors, c'est parti. Donc, on a un stylet comme ceci en plastique bleu. On a deux multiplacers. Donc, on en a un. C'est pas noté dessus. Si, on en a un de 7 et un de 4. Voilà, en plus ce sont les blancs, j'aime beaucoup ceux-là moi. En général, je mets celui de 4. Bon, pas là avec le genre de diamant que j'ai pris, mais en général, je me sers de ceux-là. On a un petit squishy donc à mettre ici pour ceux qui ont mal aux mains. Moi personnellement, je m'en sers pas du squishy, ça me gêne plutôt qu'autre chose. On a un petit pot avec de la wax bleue. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir tester. Je sais plus. Il me semble que j'en ai jamais eu de la wax bleue. Je sais plus. Mais ça, c'est clair que je me le mets de côté et je vais le tester. On a une coupelle blanche de bonne taille et de bonne qualité. Et on a une pince de super bonne qualité aussi. Donc là, pour le moment, franchement, le toolkit, pour moi, il est parfait. C'est pas un toolkit haut de gamme, mais c'est pas non plus un toolkit bas de gamme avec la pince à neuneux, avec les coupelles vertes, avec le stylet rose. Non, avec la colle rose transparente qui colle presque pas. Voilà, on est vraiment sur un beau toolkit, je trouve. Là, il n'y a pas de faux pas. En général, ça dénote toujours. Non, ça, je vais le garder. Au niveau de la pince, et là, non, c'est franchement, c'est nickel. C'est nickel. Encore un bon point. Ensuite, on a les diamants. Voilà. Donc, il y a pas mal de couleurs, hein, comme vous avez pu voir. Mais c'est pas non plus dans l'excès. Donc, c'est bien aussi. Au niveau des diamants, j'ai choisi des diamants carrés. Alors, il y a beaucoup, vous avez vu, de teintes bleues, vertes. Voilà, c'est vraiment l'ambiance de la toile, on va dire. Alors, comment ils sont, leurs diamants ? Ils m'ont l'air pas mal du tout. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra, mais ils ont l'air d'être taillés tous de la même taille. Il n'y a pas d'excédent, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Ils sont bien bombés, ils sont vraiment top. Si là, il y a une petite chute, mais bon, vu la taille, on peut la retirer facilement. Il n'y a pas, vous savez, parfois des petits points, des petites billes qui gênent, qui collent dans le stylet et qu'après, qu'on a du mal à retirer. À voir, hein. De toute façon, à première vue, les diamants sont très bien, mais c'est toujours pareil. Il va falloir voir par rapport à la toile ce que ça donne. Et du coup, chez eux, on peut choisir d'avoir des toiles avec ou sans diamants AB. Donc, bien évidemment, moi, j'ai pris avec des diamants AB. Et du coup, j'ai du blanc, donc du 5200 AB. J'ai du 701 AB, du vert. Et j'ai du 666 AB, donc du rouge. Par contre, je trouve qu'au niveau quantité, ça manque un petit peu là. Parce que, alors c'est très bien, il y a 3 AB. Moi, 3 AB, ça me suffit, hein, je ne demande pas d'en avoir 20. Mais par rapport à la proportion de diamants et à la taille de la toile, j'ai un peu peur qu'on les voie pas trop, quoi. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Alors après, c'est peut-être la toile que j'ai prise qui est comme ça, hein. Parce qu'ils ont peut-être des toiles avec plus de diamants AB, voilà, à voir. Alors, au niveau de la toile, donc je vais vous la montrer déjà comme ça et après je vais vous la montrer entière, bien sûr. Donc voilà, c'est une sirène. Alors, c'est pas Ariel, hein, c'est vraiment l'artiste. Donc, je vous ai dit Fabiana... Attendez, que je dise pas de bêtises. Fabiana Atanasio. Voilà. Qui a fait cette toile. Et donc, ouais, non, elle est très, très jolie. Vous voyez, c'est que des teintes un peu pastel. Elle est magnifique. Comment je vais faire pour vous la montrer? Donc, vous voyez, on a une charte. On a la table des matières. Je vais vous reculer.
On a la table des matières de chaque côté. Donc ça, c'est cool. On a leur logo. Je vous montre, mais vous ne voyez pas. Voilà, on a leur logo qui est juste ici. On a un papier transparent, donc pas de rivière. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien la voir, la toile. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Ça donne quoi au niveau de la colle? À voir. Je préfère pas dire parce que là, on va dire que ça colle moyen. Mais parfois, ça n'a pas besoin de coller hyper fort pour que les diamants adhèrent bien en fait. Hein. Par exemple, l'autre marque que je vous disais avec l'étoile d'artiste, ça colle pas non plus de ouf. Et pourtant, les diamants ne bougent pas. Hein. Donc, voilà. Non, c'est pas mal. Ça colle quand même. Vous voyez, on a quand même un gage de qualité. Le papier, il est bien coupé droit. Il part pas en cacahuète. Voilà. C'est quand même... Je vais essayer de vous reculer encore un peu. Voilà. Voilà, comme ça, là, vous la voyez en entière. C'est quand même de la très bonne qualité. Non, franchement, j'ai trop hâte de la commencer parce que... Bah vous allez voir, pareil, hein, je vais répondre au tag, donc vous allez savoir un petit peu où j'en suis au niveau du DP. En ce moment, j'ai pas trop envie d'entamer de grandes toiles comme ça. Mais là, franchement, tester un nouveau vendeur, magnifique toile. Pour l'instant, à part le manque de quantité de diamants AB, je trouve que tout est au vert, que c'est une super bonne boutique. Donc, bah, je pense que bientôt, vous allez avoir une vidéo, hein, je vais la commencer. Même si en ce moment, j'ai pas envie de faire de trop grandes toiles. Là, j'ai vraiment envie de tester. J'ai vraiment envie de tester. Je vois que les diamants sont pas très très gros et les cases non plus. Donc, je pense que... Ah, je suis trop contente. Je pense franchement que ça va être vraiment bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour cet unboxing, je vais vous laisser là. Et bah, je pense que je vais vraiment pas tarder à la commencer. J'ai trop hâte. Elle est magnifique. Donc merci à Carapont Art de m'avoir contacté et du coup de m'avoir offert cette toile parce que je suis ravie. J'ai qu'une hâte, c'est de tester et si c'est de la bonne qualité aussi à la pose, bah, pourquoi pas continuer les partenariats parce que franchement c'est tip top. Merci à vous aussi d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Eh ben non, pas salut. Je viens de me rendre compte en coupant la vidéo, je suis désolée, je vais vous dire deux fois au revoir, mais que j'ai complètement oublié de vous parler du prix. Mais quelle bébête, j'étais tellement de l'avoir étalé comme ça, tellement surprise, tellement agréablement surprise par tous les points positifs que j'en ai complètement oublié de vous parler du prix. Alors, cette toile... oui, je m'en rappelle, j'ai regardé juste avant de vous tourner la vidéo. Elle est au prix de 52,99€. Voilà. Donc oui, je sais que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais franchement, point de vue qualité, c'est vraiment top. Ne pas oublier que c'est une toile d'artiste. Donc l'artiste est rémunéré. Donc forcément, on ne peut pas avoir une toile comme ça à 10€. C'est pas possible. Même sur AliExpress, hein, une toile 50x70, vous n'en trouverez pas à 10€. Moi, je trouve franchement que c'est quand même plutôt raisonnable par rapport à la qualité, par rapport à l'artiste, par rapport à tout le reste, hein, le toolkit, les diamants, tout bien emballé dans des sachets zippés. Voilà, pareil, je ne citerai pas un concurrent qui est dans le même genre, qui a augmenté ses prix depuis peu et... une toile comme ça, vous la paierez beaucoup plus cher chez lui. Hein. Donc, non, franchement, je trouve ça super top. Voilà. Donc, je suis désolée de vous avoir dit au revoir plus tôt que prévu. Mais bah, du coup, je vais recommencer. Donc, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère à très bientôt pour le test de cette toile. Bisous, salut !